Eh bien, nous revoici après la journée douce qui était une journée très calme et très sereine, très nulle, à vrai dire, pas palpitante. Et on va aller dans le nombril de la forêt parce que j'ai envie, mais j'ai envie de massacrer les gens. Pas vous, hein, pas vous. Ne vous en faites pas. Le jour où j'arrive chez vous, là vous pourrez en faire. Mais pas pour le moment. Alors, on va. J'hésite en fait entre aller chercher les pièces que ça fait longtemps qu'on avait découvert mais qu'on n'est pas pris. Ou aller tuer l'araignée. J'ai envie de tuer l'araignée, je sais pas pourquoi. Parce qu'on est peut-être blindé de Pikmin et puis ça donne envie. Et bah allez. Puis j'en prends 49 juste pour vous embêter, puis pas 50. Voilà. Vous venez. Merci, ça fait toujours plaisir, toujours. Mais oui. Et ils ont pas touché à l'herbe. Par contre, ils touchent toujours au trou. Magnifique. Hop. On fait le petit détour comme d'habitude. Oh, ça me dérange pas de faire un détour comme ça. C'est juste pour ramener la pièce que c'est peut-être long. Ouais. Oh, il y a une Pikmin jaune là par terre. Ah, elle a dû lâcher des graines en mourant, ça doit être ça. Allez, viens toi. On a un combat à mener. Alors là, faudra faire gaffe parce qu'on est beaucoup. Et puis si l'araignée écrase les Pikmin, ça va. On va reculer, je pense. Oui, c'était une bonne idée. Merde, 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 la mauvaise idée. Mais là, on repart. On repart, la mauvaise idée. Le mec, il s'est dégonflé en 3 secondes. Ah, la mauvaise idée, on repart. Je me dégonfle en 3 secondes. Pourquoi je me dégonfle en 3 secondes? Eh bien, c'est simple, parce que mes Pikmin ne peuvent pas aller assez haut. Ils ne peuvent pas toucher le cœur du monstre. Puisque les pattes, ça m'a pas l'air très efficace. Ah, il a mal. Ah, il est pas mal la dernière fois. C'était peut-être un bug du jeu. Oh yeah! Enfin! Crève, saleté! Tu m'en as fait bousiller hier! Tu m'en as fait chier hier! Maintenant, c'est à ton tour, non, chis! Haha! On rigole moins! Oh, j'y crois pas. 2 secondes avant de mourir, il se permet. Attendez. Ouais, mes Pikmin sont devenus gentils! You! Par contre, lui, hein. Ah, il est pourri de l'intérieur. Ouf, j'ai eu peur que tous mes Pikmin se mettent à m'attaquer comme ça. Alors, combien ça pèse ce truc? 10 seulement. On va se le prendre. Ah, enfin. Les grandes affaires recommencent. Magnifique! Magnifique! Je n'ai que ça à dire. Puis ça, c'est lourd. Ça m'a pas l'air très lourd. À 30, carrément. J'ai le stabilisateur Oméga. Si je veux que mon vaisseau vole droit, cette pièce est réellement nécessaire. J'ai pu me sortir de tempête spatiale grâce à elle. En plus, elle a l'air superbe. Magnifique, oui, un design digne des plus grands architectes. Par contre, toi, tu nous en fous un peu, là. Mais c'est ballot, là. Est-ce qu'on peut lui en piquer juste? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pièce. Pour toi, j'ai une idée. Il y a un Pikmin jaune juste là-bas. On va te prendre avec le Pikmin jaune. Oh, cette précision. Moi qui faisais le malin, j'aurais dû en prendre 50. Ça me rattrapera, le karma. Oh, la bête n'est pas contente. Par contre, il y a un Pikmin. Il a l'air de bien se débattre. Tu es noble. Tu mériteras ta dose de nectar mensuel. Ouh, j'ai mal. J'adore cette musique de combat. C'est trop violent. Mais vous m'écoutez, oui. J'ai pas appris. C'est moi qui vous ai tout appris. Alors maintenant, vous allez m'écouter.
Ah mince, le temps avance. Pas grave, on a déjà une pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les Pikmin d'eau tout de suite là. Hop, 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 hop. On va faire le tour. J'ai envie de voir si les monstres là, les poufs souffles, sont toujours en grande masse là-bas. De toute manière, ils sont pas longs à tuer. Puis les Pikmin de feu, on n'a rien à craindre. Merde. Oui, ils sont toujours en grand nombre par contre. Oh bon, on y va quand même. Pas nos chochottes. On remonte les manches et on y va. Ouf. Hop, je prends une armée de Pikmin rouge. On aura bientôt plus si je continue de les épuiser comme ça. C'est comme l'argent. T'en reçois plein. Et le lendemain, t'en as plus. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça va mieux quand on les lance, parce qu'après il a pas le temps, il en lance déjà plein, mais je peux en relancer d'autres pendant qu'il en lance. Ouais, j'en lance pendant qu'il en lance, parce qu'il en lance. C'est très dense. Oh, c'est balèze, n'est-ce pas? Je suis balèze. Par contre, les grenouilles, oh mais les grenouilles, mais si j'en vois une, je crois que je fais une crise. C'est les pires monstres de ce jeu. Pour l'instant. Bah oui, toujours. C'est toujours comme ça. Pour les moments. Il meurt, 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 meurt. Oh oui, ça c'est bon. Le dernier là-bas. Et après, on pourra aller avec nos petits Pikmin bleus. Par contre, je garde des Pikmin rouges là-bas. Pour la simple et bonne raison que j'ai tout prévu. Et que je n'ai pas envie de mourir. Hop. Vous venez. Ce qu'on va faire, c'est très rapidement, on va monter là-haut avec le Pikmin de feu. Par contre, moi, faut que je me protège parce que je suis très vulnérable au feu. Hop, on va passer le pont. Et ici, exactement ici, on va lâcher nos Pikmin, et on va chercher des Pikmin bleus. Hein? C'est encore un Sagittaire? Eh ben, nos enfants nous gardent, dis donc. Il me semble qu'on en a deux, les gosses, si mon souvenir est bon. On a une petite fille et un petit garçon, et on a une femme aussi, bien sûr. On voulait faire des enfants, sinon. Et ici, oui, eh ben, on va voir le nombre de Pikmin qu'il nous faudra. Merde, j'ai oublié ce petit détail insignifiant à peine, hein. Viens, viens vite avant de mourir. Yeah, c'est le truc Omega machin bidule. Oh, trop fort. Je retiens trop bien les noms. J'ai une de ces mémoires. Stabilisateur Omega, c'est l'aileron du dolphin. Un peu tordu, mais ça ira. Avec ça, je devrais pouvoir voler. Même s'il me manque encore les 30 pièces. J'en trouvais qu'un sur 30. Encore 14. Et on arrive au Graal de la pièce. Mince, on ne peut pas voir puisqu'on n'a pas des Pikmin et d'eau. C'est pour ça qu'on va devoir rentrer à la base. Par contre, là, on est juste dans le temps. Je stresse, je sais, mais bon. On arrive à midi. Mince, 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 mince. Non. Non. Oh! Merde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
13 jours depuis le crash. J'ai été négligent et ma combinaison a subi des dégâts importants. Mon système de transport d'urgence m'a sauvé. Mais j'ai perdu tous les Pikmin que j'avais avec moi. Je dois faire plus attention à la jauge d'état de ma tenue. En bas à gauche de l'écran. Je peux appuyer sur A près du Dolphin pour réparer ma tenue. Alors là, les amis, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai hésité entre soit ne pas sauvegarder et recommencer la journée, ou bien continuer, mais j'ai continué, parce que ça ne se fait pas de tricher, même si on est se sent obligé de le faire. Parfois, c'est les aléas, hein. Je suis mort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve à l'épisode 15, et là oui, on va se retrouver à l'épisode 14. Oui, là faudra que je fasse super attention. Donc on se retrouve à la prochaine, toujours plus en forme. Ciao.